Tout de suite, la chronique nutrition avec Martin et Hélène. Restez là. Alors, Hélène, les casse-croûtes, on s'entend que c'est pas toujours le lieu préféré des nutritionnistes. Non, mais on n'est pas drastique et on dit aux gens, vous pouvez y aller quand même, peut-être juste faire des changements dans vos quantités. Et dans les choix, des petits ajustements. Le premier que je ferais, là, c'est d'encourager les gens à toujours prendre les petites portions. Petites portions de frites, petites portions de boissons gazeuses. On peut retrancher jusqu'à 500 calories si on va vers ces petites portions-là. Ah, aussi, les restaurants sous-marins qui sont très populaires, là. Un 6 pouces au lieu d'un 12 pouces. À moins qu'on soit un adolescent en croissance, mais un 6 pouces, c'est amplement. D'essayer d'éviter les poulets panés, d'aller plus vers les poitrines de poulet. Un petit hamburger simple, au lieu de prendre un double et un triple, ça va être amplement aussi. D'accompagner son repas d'une salade ou d'une soupe aux légumes, ça va être plus rassasiant, ça va prendre de la place et on va être moins porté à vouloir reprendre un deuxième hamburger, par exemple. Alors, c'est un autre truc intéressant. Il y a des façons de faire pour y aller à l'occasion et être en santé quand même. On peut peut-être y aller plus souvent même. Peut-être, Merci. Oui. Merci. Alors là, je t'aime.